Nous allons voir comment ajouter un mode de paiement pré-autorisé sur n'importe quelle page de site internet. Là, si vous voyez par exemple, si vous voyez mon écran, je vais aller me connecter à mon compte PayPal Entreprise et je vais vous expliquer les étapes à suivre pour être en mesure de générer l'option d'abonnement. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est vous connecter à votre compte et ensuite vous allez cliquer sur l'onglet Payer et se faire payer. Et dans cet onglet, vous allez voir l'onglet, l'option de abonnement. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis, PayPal va vous rediriger vers une page. Et cette page, dans cette page, vous allez tout simplement cliquer sur Créer un plan. Donc, vous créez un plan. Et vous allez remplir les informations de votre produit. Donc, je vais par exemple supposer que j'aimerais vendre sur mon site l'abonnement pour l'optimisation des sites Internet. Donc, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que je souhaiterais que mes clients puissent me contacter pour puissent faire le paiement peut-être par mois pour que je les assiste dans l'optimisation de leur site internet. Dans ces cas, je vais tout simplement créer un abonnement que je vais appeler optimisation des sites internet. Et à ce niveau de la description, bon, je vais mettre la description. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je peux copier un texte ici et mettre par exemple ça. Bon, peu importe. Pour le moment, ce n'est pas très important. Mais à ce niveau, le produit, donc je vais appeler ça optimisation web, peut-être 01. Ça, c'est un exemple. Et à ce niveau, le type de produit, c'est un service que je veux vendre. En ce qui concerne la catégorie, donc je vais appeler ça marketing. Par exemple, et ici, il faut mettre l'URL du produit. Donc, je vais mettre l'URL de mon produit à ce niveau. Là, on me demande l'URL de l'image du produit. Donc, je peux par exemple venir sur mon site. Je vais récupérer cette URL-ci. Dans tous les cas, bon, ça c'est déjà ce que à ce niveau, je veux copier, je colle l'URL de mon produit à ce niveau et je vais cliquer sur suivant. Donc, dans l'étape suivante, il sera question de pouvoir choisir. Donc, choisir parce que bon, moi j'ai créé plusieurs. Donc, je sélectionne. Ça, c'est le produit que je viens de créer et je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau, c'est quoi les différents types de tarification que je veux offrir à ma clientèle? Il y a la tarification fixe, donc qui consiste à tout simplement avoir un prix fixe et ensuite ajouter ça à votre produit. Il y a la tarification quantitative. Donc généralement la tarification quantitative, c'est en fonction des quantités. C'est-à-dire que si par exemple un client choisit 10 heures, je vais le tarifier selon la quantité. Tarification par volume, donc, et aussi la tarification par niveau. Donc ça veut dire que généralement par niveau, ça dépend vraiment du niveau d'abonnement. Est-ce que mes clients veulent prendre peut-être un abonnement basique, expert ou du moins professionnel, tout dépendamment vraiment de ce que je veux proposer à ma clientèle. Donc pour le moment, je vais cliquer sur tarification fixe et je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau, il faudrait donc donner un nom au plan. Bon, le nom de mon plan, c'est peut-être tarification de base, par exemple. Et la description, vous payez service par mois. Donc, une fois que j'ai écrit cette option-là, je vais cliquer sur continuer. À ce niveau, il faudrait choisir la devise. Donc, là, je vais fonctionner en dollars canadiens. Facturer des frais de configuration ponctuelle. Donc, la configuration ponctuelle, ça peut être autre chose que vous pouvez ajouter à ce que vous offrez comme service. Bon, vous pouvez à chaque fois placer votre curseur là pour lire. Ou lit par exemple la description, c'est à quoi ça correspond. Offrir une période d'essai. Donc, si vous voulez par exemple offrir une période d'essai à votre clientèle, vous pouvez choisir offrir une période d'essai. Dans ce cas, par exemple, ça peut tout simplement consister à donner une période d'essai de 30 jours, dépendamment vraiment de ce que vous offrez comme service. Bon, là, je vais sauter ça. Et ici, cycle de facturation. Donc, ça, c'est la partie qui est très importante. Donc, si je veux facturer mes clients 50 dollars par mois, je vais chaque un mois, donc là je vais mettre chaque un et mois. Si vous voulez facturer vos clients 90 dollars chaque mois, donc ça peut être chaque année, ou chaque année par exemple, vous pouvez faire par année. Donc tout dépend vraiment de ce que vous offrez comme type de produit. Donc là je vais par exemple mettre 50 dollars par mois par exemple. Et ensuite, il y a la possibilité d'ajouter des taxes. Donc dépendamment du type d'entreprise que vous avez, si vous voulez offrir des services avec la possibilité d'ajouter des taxes, vous pouvez tout simplement sélectionner cette option à ce niveau. Donc, peut-être pas des taxes, inclure des taxes et ainsi de suite.
Donc, ça dépend vraiment de ce que vous offrez. Et généralement, ça peut être par pourcentage. Donc, si par exemple, je vais inclure les taxes, je peux inclure peut-être les taxes par pourcentage, 15%, dépendamment de, bon, ça, par exemple, comme je dis au Canada, au Québec. Et ensuite, je vais dire activer la facturation automatique des paiements dus. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et là, vous allez tout simplement relire le résumé ou vous rassurer que vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, je vais revoir est-ce que tout est correct pour moi. Si tout est bon, je vais cliquer sur activer le plan. Et quand vous allez activer le plan, vous allez être redirigé vers cette page où vous aurez un code à copier. Donc il sera tout simplement question de copier le code que vous avez ici et de coller dans votre site internet. Donc, généralement, c'est un code de JavaScript. Donc, si vous avez quelques notions de base en HTML, c'est largement suffisant pour être en mesure